Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus! 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 Yeah, yeah.
notre Dieu. Il y a quelqu'un, nous allons danser la gloire de notre Dieu. Jésus, je veux.
poussez le pont de célébrer la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Dis amen. Est-ce qu'ils ont le pont à la maison? Est-ce que vous avez le pont à la maison? Vous pouvez vous asseoir.
y a quelqu'un que je bénis ce soir. Il y a quelqu'un que je bénis. Amen. Thank you.
répéter avec vous, et quelque chose faite. Après, si je vais retourner le vin, j'ai dit non, je vais porter mon voyage. Béni fait au village. Voilà, j'ai reporté mon voyage. Peut-être que je fais avec vous. Afin que nous puissions célébrer la victoire de Jésus. Nous n'avons plus pleuré dans ce village. C'est du passé. Nos enfants doivent réussir à l'école. Voici le combat que nous menons. De ce village va se finir à l'écart de toute la région. Parce que Jésus est à l'œuvre dans chaque village. Et il est de niveau dans toute cette région. Nous avons notre Seigneur à l'œuvre. La prison de la sorcellerie pour permettre aux gens de vivre librement la vie sans être inquiétés et de venir dans leur village sans problème. Nous nous sommes des agents de développement. Au moment où les gens disent n'allez pas dans nos villages, nous disons j'en répéter dans vos villages parce qu'il faut que les villages se développent. Or les gens peuvent la sorcellerie. Oh, Jésus-Christ a vaincu la sorcellerie. Mais Jésus a vaincu. Vous l'enseignez ça à chacun d'entre vous. La sorcellerie a été vaincue de la croix par Jésus. Papa, et quand à Jésus, on a la victoire. Alors nous devons la célébrer. C'est la Noël. Amen. Amen. C'est vrai qu'en tant qu'évangélique, c'est la bonne tradition de faire. Mais pour nous, c'est un moyen d'évangélisation. C'est vrai que nous avons beaucoup de temps organisé.